Hello everyone, my name is Savan. Today in FE6, we will be learning le verbe avoir au futur simple, the verb to have in future tense. Première personne au singulier, j'aurai, I will have, j'aurai. Première personne au pluriel, nous aurons, we will have, nous aurons. Deuxième personne au singulier, tu auras, you will have, tu auras. Deuxième personne au pluriel, vous aurez, you will have, vous aurez. Troisième personne au singulier, il aura, he will have, il aura. Troisième personne au pluriel, ils auront, they will have, ils auront. Troisième personne au singulier, elle aura, she will have, elle aura. Troisième personne au pluriel, elles auront, they will have, elles auront. Example, j'aurai un salon, I will have a couch. J'aurai un salon. Tu auras une maison, you will have a house. Tu aura une maison. Il aura une surprise. He will have a surprise. Il aura une surprise. Elle aura un cadeau. She will have a present. Elle aura un cadeau. Nous aurons des télévisions. We will have a television. Nous aurons des télévisions. Vous aurez des arbres. You will have trees. Vous aurez des arbres. Ils auront des souliers. They will have shoes. Ils auront des souliers. Elles auront des enfants. They will have kids. Elles auront des enfants. Qu'est-ce que vous aurez? What will you have? Qu'est-ce que vous aurez? J'aurai un travail. I will have a job. J'aurai un travail. Nous aurons des pantalons. We will have pants. Nous aurons des pantalons. Qu'est-ce que tu auras? What will you have? Qu'est-ce que tu auras? J'aurai des lunettes. I will have glasses. J'aurai des lunettes. Qu'est-ce qu'elle aura? What will she have? Qu'est-ce qu'elle aura? Elle aura un bureau. She will have a desk. Elle aura un bureau. Qu'est-ce qu'ils auront? What will they have? Qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront des tableaux. They will have a board. Ils auront des tableaux. Thank you everyone for learning. If you have any questions, you can ask me in the comment section below. Merci tout le monde d'avoir regardé. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser dans les sections commentaires. Merci et au revoir.